Alors Naïf, t'es prêt bébé? T'as l'air un peu triste. Maman, elle t'a écrit plein de mots, d'accord? Et puis maman, tu sais, elle sera toujours là. Et papa aussi, d'accord chérie? Faut pas pleurer, hein? Naïlou, c'est toi, tu m'as dit que tu voulais aller. Je t'aime. Tu as bien t'amuser avec tes copains, hein? D'accord? Et quand t'es triste, tu prends ton doudou, tu penses à maman et papa, d'accord? Allez. Allez. Dans la voiture. Laisse-moi, je vais ranger ta main. Alors mon chéri, comment ça va? Bien. T'es pas trop stressé? Un peu? Un peu. Hein? Un peu. Un peu stressé? Mais ça va aller. Tu sais que maman et papa, ils seront toujours là. Kaïs et Naïl aussi. Kaïs et Naïl, Kaïs et mes sœurs. Ils sont toujours là dans ton cœur, d'accord? Mon amour. Naïl, est-ce que tu veux dire quelque chose à la caméra? Tu vas partir. En classe couverte. Et en classe verte. Ah ouais. Alors c'est quoi ton ressenti là? Tu te sens bien? T'es stressé? Stressé. T'es stressé un peu? Mais tu te sens bien quand même? Oui. Ouais. Tu, on va pas se voir pendant 5 jours, mais tu sais que de toute façon je vais penser fort à toi et papa aussi. Moi aussi. Toi aussi mon amour. Est-ce que tu veux dire quelque chose à papa? Papa, vraiment tu me manques. Il sera toujours là pour moi. Bah oui, et toi aussi tu seras toujours là pour lui. Hmm, tu veux dire quelque chose à Kaïs et Maïsabella? Maïsabella, Kaïs. J'ai dit à Kaïs qu'en fait, que j'ai dit à Maïsabella que je t'aime. Eux aussi, ils t'aiment fort, fort, fort. Ok mon amour? Oui. Bon, on y va? Oui. Ça va aller? Je t'aime, bisous maman. Allez, go. C'est trop lourd? Je t'aide. Merci. Tu veux la pousser tout seul? Ou tu veux que je la pousse? Hein? Ça y est, mon bébé, il est parti. Et je vous jure, c'était trop dur. En plus, je voyais, il était pas trop bien et tout. Vous savez, c'est une nouvelle école et tout. Et... Oh, ça m'a fait trop mal au cœur. Bref, du coup, là, je rentre. Je vais réveiller Kaïs et Maïsabella. Oh là là, je suis KO. Parce que là, on a dû partir à 7h du matin. Genre, réveil à 6h30. Je suis complètement explosée. Bref, let's go. Let's go. Mon petit bébé, oh. Du coup, j'ai acheté pain au chocolat pour Kaïs et Maïsabella. On les réveiller. Maïsabella, elle est dans le gaz. Kaïs, si ça va, elle est trop contente parce qu'elle aime trop les pains au chocolat. Ça va, les bébés? Ça vous fait pas bizarre sans Naïl? Si, quand même. Ça fait bizarre, hein, petit cœur. Allez. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Vous prenez vite votre petit-déj. Moi, je vais sortir vos vêtements, ok? Allez, go. Ah, maman. Hum? Comme par hasard, il y a ça, mais c'est blanc, elle a dit hey, « Kaïs, est-ce que bah, toi, bah, tu te rappelles le premier jour de l'école, on mangeait toujours des pains au chocolat vu qu'il n'y avait rien ?» Vous étiez content. Hein. Comme ouais. Par hasard, aujourd'hui, il y en a. Ouais, bah vu que j'étais à côté de la boulangerie, je vous en ai pris. Allez. J'ai dit ça parce que ce qu'on avait pris, ils étaient chauds. Quand on est sortis, ils étaient bien chauds. Ouais, c'était brûlant, quoi. Ouais, allez, go. La porte est fermée. Toi, regarde comment t'as mis ton sac. Là. On dirait une foulard là.
Oh là là. Chaos. Il est. Genre là, il est 8h50 comme ça. Je vais faire mon petit déj. Après, j'ai ma séance à 10h15 de sport. Aujourd'hui, c'est cours collectif. Donc, c'est pas avec Fitzka. Fitzka, c'est le mardi, jeudi et vendredi. Donc là, on est lundi. Je suis KO. La meuf, elle est tout le temps fatiguée. C'est une dinguerie. Bref, go faire mon petit déj. J'ai trop le seum. Je me suis dit, je m'endors 30 minutes avant d'aller à la salle. Et ben, je me suis endormie une heure. J'ai loupé ma séance. Bon, la team, ça y est, j'ai fait ma douche, j'ai fait ma prière. Donc là, je garde mon foulard. Enfin, ouais, je vais quand même enlever juste ça, parce que j'ai mon foulard en dessous. La prière, là, elle est à 16h, l'autre, la prochaine. Donc voilà, du coup, là, je vais me faire ma salade de quinoa, comme je vous l'ai dit. Et voilà ce que ça donne, les filles, ma salade de quinoa. Et du coup, là, je vais me faire une belle petite présentation. Genre, moi, j'aime trop faire ça. Donc, je vous montre de suite. Et voilà ce que ça donne. Mmh. Oh, elle est trop fin, là. Franchement, une bonne petite salade de quinoa dans ma belle assiette. Elle est pas trop belle, l'assiette, s'il vous plaît. Je l'aime trop. Alors franchement là les filles, j'ai tellement faim, mais vous voyez, enfin je trouve que quand on présente bien son assiette, quand on prend, on a de l'amour pour ce plat, qu'on le cuisine bien et tout, voilà c'est encore plus savoureux. Genre franchement là, j'ai qu'une hâte, c'est de manger. Et en plus de ça, ce qui est bien c'est que je sais que j'ai fait que des choses saines quoi. Donc voilà, c'est une petite idée de plat et franchement, j'ai déjà fait, j'aime trop. Et en vrai, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi j'ai mis des courgettes, des concombres, de la mangue. Vous pouvez faire avec du blanc de poulet, vous pouvez faire sans viande, sans rien. Moi là j'ai mis des crevettes. Genre j'ai déjà mis des pommes, c'est trop bon avec des pommes. Franchement, faut faire jouer votre imagination. J'ai mis des tomates aussi, mais franchement, hey, c'est trop bon les filles. Je vous jure, c'est trop bon. Bon, la team, j'ai rangé toute ma cuisine. Là, j'ai fait ma prière. Du coup, là, j'avais demandé à Claise de décrocher le linge. Je vais tout plier avant qu'il rentre. Enfin, avant que j'aille les chercher. Genre là, il me reste 15-20 minutes, donc c'est parti. Let's go! Comment les cons? Bien! C'était comment, Caïs? C'était bien! Attendez, attendez, je veux que vous répétiez là. Vous avez dit quoi? De quoi? Que ça sent trop bon et que ça sent hyper le ménage. Dès que je suis rentrée, j'ai rien. Quand on est rentré, on a direct. Ouais, même moi j'ai senti, ça fait trop du bien. Bon, j'ai récupéré les babies. Petit goûter pour Maïsabella et Caïs. L'âge. Souvent. Allez, travaille. Ah, moi, je vais aller. Je dis tout le temps que je suis fatiguée, j'en ai marre. Non, je vais pas me doucher. Je vais
T'as à manger ? Répondre à mes mails, non, le manger, j'ai déjà fait les pâtes, je vais vous faire un petit truc. Je sais pas où. Tu peux les faire des pâtes en cannelloni ? Et Sabella, je vais faire ce qu'il y a. Et enlève ça de ta bouche. Enlève de ta bouche. Je vais dormir un petit peu. Doucement. Je vais m'assoupir, je suis KO. Bon, les dangers du sommeil. Je sais pas, je vous ai dit, oh, je me couche 15 minutes, il y a l'heure de la prière après. J'ai dormi combien de temps? Une heure, je crois. Mais Isabella, elle a essayé de me réveiller, mais elle a pas réussi. Pour aller à l'anniversaire de ma copine. Bah, ça dépend si tu travailles bien ou pas, je vais voir. Parce que c'est dans 5 jours. Ouais, bah, on va voir si dans 5 jours t'as bien travaillé. Déjà là, après, tu vas me relire ce que tu devais faire. Bref, les filles, j'ai fait ma douche. J'ai fait mes ablutions, j'ai fait ma prière. Là, du coup, go cuisiner pour les enfants. Du coup, là, les enfants, ils sont en train de finir de manger. Oh, j'aime trop l'odeur de la lessive. Je vais prendre les fraises. Oh, les fraises flemmes. Je les mange juste et je les mange comme ça. Non, parce que, attends, faut que j'arrive pour te faire... J'ai pas envie que tu salisses partout. J'aime trop l'odeur de la lessive, c'est une dinguerie. Mais alors, je débarrasse. Ouais, pour l'instant, tu débarrasses. Tu fais doucement pour mon assiette. Hein. Je mets dans le lavabo. Ouais. Allez, Ashhadu. Ouais, mais il faut faire doucement et il faut bien dire. Bonne nuit. Allez, salam alaikum. À demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. Bisous. Bisous. Maman, c'est toi qui m'as mis la jupe? Oui, pour demain, Inch'Allah. Allez, dodo. Hello, hello. Ça y est, les bébés sont au lit. Ah, j'ai nettoyé ma cuisine. J'ai fait mon petit ménage. Pour Naïl, en fait, pour avoir de ses nouvelles. Il y a une... C'est pas une application, c'est sur un site, il y a des codes, ils mettent des photos, des vidéos et tout. J'ai trop hâte de voir, genre... En fait, c'est trop dur de se dire, je peux même pas l'appeler. Moi, je voulais trop qu'il prenne sa tablette pour que je l'appelle en FaceTime, mais la maîtresse, elle a dit qu'il avait pas le droit. Donc là, je vais tester l'application, là. Et oh là là, j'ai trop... franchement, il me manque trop. En fait, je me dis, j'espère qu'il va bien, que tout se passe bien. Oh, ça y est, j'ai réussi. Chers parents, petit message comme convenu pour vous dire que le voyage s'est bien passé. Les loulous n'ont pas été malades. Nous sommes arrivés à 9h12. Les loulous s'installent tranquillement dans leur chambre. Il n'y a pas de lit superposé. Le wifi est fluctuant, mais les messages seront postés. Oh, ils sont bien arrivés. Oh là là. Oh. Bon, je suis deg. Franchement, je pensais trop avoir voir des photos et tout. Je suis trop dégoûtée. Du coup, ben, je vous dis à demain. Bisous! Thank you.
Hello. Du coup, j'ai fini mon petit déj. Après, je me suis un petit peu posée. Et là, direction la salle de sport. J'avoue, je suis pas motivée du tout. Franchement, je suis trop fatiguée. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Franchement, dormir, il n'y a pas mieux. Bref, c'est parti. Let's go. Tout le monde, elle m'a fait une séance. Elle m'a dit bah, c'est une des premières séances que je t'ai faites. On a juste rajouté des poids, mais je sais pas si c'est parce que je suis KO, mais ça m'a tué. Franchement, j'étais au bout de ma vie. Et pourtant, elle était contente. Genre, elle m'a dit franchement, t'as trop bien fait les exercices, tu t'es grave améliorée et tout. Du coup, ben j'étais contente, mais franchement, et ça m'a tué. Genre, j'étais vraiment explosée au bout de ma vie. Les filles, j'ai fait en rapide une pâte à pizza. Parce que ce week-end, j'avais fait des pizzas et il me reste grave de la sauce. Du coup, ben, je me suis dit, go faire une pâte à pizza. Comme ça, ben, je vais faire des pizzas pour les enfants ce soir. Du coup, voilà. Là, elle est comme ça. Vous voyez, elle est pas très grosse. Elle va bien, bien, bien gonfler. Je suis ready, franchement, je me suis habillée en rapide. J'ai mis des petites bottines, un pantalon, un pull et mon petit sac. Let's go! Bon, la team, je suis allée en speed parce que j'étais un peu en retard. Mais je suis trop contente, elle m'a tout bien expliqué pour les produits et tout. Là, je suis trop contente, je repars avec tout ça, s'il vous plaît. Genre, j'ai toute une routine. Donc bon, Inch'Allah, ça va le faire. Du coup, là, go à la maison. Enfin, j'arrive à 16h11 et je dois les récupérer à 30, donc j'ai le temps de... Allez, go. Ah mais regardez, est-ce que vous voyez à quel point ça a gonflé? Du coup, voilà ce que ça donne. Je vais les mettre au four. Alors, pendant combien de temps? Je sais pas encore. Bah, attends, 10 minutes, non? 20 minutes. Moi, j'aurais mis 15. Entre 10 et 20. T'inquiète pas pour moi. Et voilà les filles. Ouais. Bon les filles, du coup j'avais déjà préparé ma sauce, comme je vous l'ai dit, j'en avais fait ce week-end, des pizzas à la maison. Donc elle est incroyable. Mais comme d'hab, c'est celle du Thermomix, donc je n'ai rien inventé. Après j'avoue que moi j'ajuste toujours. C'est comme la pâte à pizza, je rajoute de la semoule extra fine. Et du coup pour la sauce pizza, je rajoute des trucs.
Je sais plus c'est quoi que je rajoute. Moi j'ai oublié, j'ai un trou. Bref. Ça, là. En fait, quand c'est plus gros, en fait, j'ai compris maintenant. Faut pas faire trop fin. T'as tout compris. C'est trop bon. Vous voulez encore ? Oui. Oui. Tu vas voir le coup des mûres ? T'es contente, ma puce ? Ouais. Ma puce, t'as fait un cœur, ma préférée forme. Ah, ta préférée forme, c'est un cœur ? Oui. C'est bon ? 3, 2, 1, go ! Go ! Arbre ! Vas-y. Bouche ! Chat ! Kaïs, tu te rappelles les bouches ? Kaïs, bouche, avant je disais... Chien ! Kaïs, bouche, je disais pour Pépé, je sais. Dauphin ! Je me suis trompée. I'm sorry, baby ! It's okay. It's okay for you. T'as oublié l'anglais ou non ? Ça va. Non, je sais pas, mais ça va. Bon, du coup, les filles, là, il y a ma belle-sœur qui vient d'arriver. Mais je suis grave dans les temps. Et voilà les filles, j'ai dit je me maquille, en fait c'était soit je me maquille pas, soit je me maquille bien. Franchement j'ai géré de ouf hein. Bon du coup les bébés ils vont regarder une petite série, vous êtes sages avec Tata. Ah non, School for Girls. Ouais. Et il y a Faustine qui va garder les bébés. Tu me dis hein, s'il y a un problème, mais bon je te connais de toute façon. Bisous chérie. Bon. Bon, du coup, les filles, je suis ready. Je voulais vous montrer mon petit look parce qu'à la maison, le miroir, ça éclaire pas bien, en fait. Donc voilà, j'ai mis mes petites bottines Chloé. Ensuite, j'ai mis un blazer The Frankie Shop. Super oversize. Genre, tu peux pas faire plus oversize que ça. Et du coup, j'ai mis un petit châle, au cas où si j'ai froid. Donc, voilà pour mon petit look. Ah oui, avec mon petit sac Chanel. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait longtemps. Franchement, et je me suis trop bien maquillée là. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez. Look. Regardez-moi s'il vous plaît ce make-up. Simple, efficace, je kiffe. Bref, du coup là je suis grave dans les temps. Franchement, je suis trop contente. Et du coup je vais rejoindre mon frère et mes petites sœurs et on va aller manger au restaurant. Let's go. Je vais plier un mouchoir là. Je vais le mettre comme ça parce que sinon ça va à chaque fois, ça me fait des traces. Du coup après je suis obligée de garder mes lunettes. Ah voilà. Franchement, oh là là, les gens ils vont flipper, les gens sur la route ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait. Mais au moins mon make-up il va pas partir comme ça. Enfin, mais, pardon, mais tiens là t'es trop beau. T'as vu, wow. c'est mieux en cours non. Ouais. Ce que j'ai dit, c'est mais de ouf. Genre waouh. Genre t'es waouh. Thank you.
Bon, ça y est, je suis enfin arrivée. C'était dur la route. Hein. Franchement, j'étais KO de ouf. Du coup, là, il est 1h34. Je vais pas assumer. J'ai dit, je dors plus là après minuit. Du coup, je vais être trop fatiguée. Mais bon, franchement, j'ai passé une trop bonne soirée avec mon petit frère, mes deux petites sœurs. Je vous jure, ça fait trop du bien. Genre, des fois, quand je nous vois et tout, je me dis... Oh là là, genre moi mes enfants ils sont que trois et tout, genre je trouve que les grandes familles c'est trop bien. Et encore là, il n'y avait pas tout le monde et tout, mais franchement, genre c'est trop bien. Bref, du coup là à la maison tout le monde dort, ma belle-sœur elle m'avait dit qu'ils sont allés se coucher vers minuit, minuit et demi. Donc voilà, je vous dis à demain, bisous. Hey la team, j'espère que vous allez bien. Du coup ce matin je me suis réveillée, j'avais même pas mis de réveil pour comment ça s'appelle, pour le coiffeur, mais heureusement je me suis réveillée comme ça à 8h50 et du coup je me suis dit purée mais le coiffeur, mais heureusement ma Isabella elle vient pas vu qu'elle a ses tresses, donc que moi ça va être rapide parce que de base on devait être deux, moi et ma Isabella, mais Isabella ça prend plus de temps. Donc voilà, la direction de coiffeur, je me suis levée, j'ai fait ma prière, j'ai fait le déjeuner aux enfants. Ma belle-sœur, en fait, elle est en télétravail et ça résonne. Hein. Ouh. Et elle est en télétravail, du coup, je leur ai fait le petit déj rapidement et j'ai même pas déjeuné. Mais bon, je vais prendre un thé là-bas chez le coiffeur. Allez, à toute, let's go. Bon, les filles, je suis arrivée. Du coup, j'ai trop hâte là. Oh là là, j'ai trop hâte. Go me faire coiffer. Du coup, chez le coiffeur, c'était incroyable. Franchement, c'était trop bien. Genre, elle m'a fait un soin et tout. Mes cheveux, je suis grave choquée. Ils ont grave poussé. Je suis trop contente. Là, je suis grave à la bourre. Genre, j'ai déjà 30 minutes de retard. Je pense que je vais arriver. Je vais avoir à peu près, je pense, une heure. Donc là, je me prépare en rapide et je vous dis à toutes. J'ai un événement, en fait. Bref, je vous en dis plus tout à l'heure. Bon, la team, ça y est, je suis prête. Je me suis préparée en deux suites. Le thème, c'est nude. Donc du coup, j'ai mis ce costume. J'ai mis des baskets pour être à l'aise. Et je me suis même pas maquillée. Franchement, j'ai pas eu le temps, en fait. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre mes lunettes. Ça habille un petit peu. J'ai mis un peu de baume à lèvres. Mais je suis dégoûtée. Je voulais trop être un peu maquillée, quoi. Mais voilà pour mon look. Allez, let's go! Bon, la team, j'ai galéré. Oh my god. Alors attendez. Mais bon, après une heure de route, je suis arrivée. Trop hâte de voir sa nouvelle boutique. Genre, déjà, j'ai vu en vidéo, c'était trop canon. Allez, let's go! Et ça te va trop bien. Non mais tu vas te voiler. Hein. Je te jure, ça te va trop bien. Moi, je déteste ma tête. C'est vrai. Le blanc, wow, mais il est beau, hein. Il est trop beau. Et du coup, ça se met comme ça, là. Non, tu dis pour. Déjà, je voulais remercier ma famille, ma maman qui m'a toujours aidée, qui a toujours été là pour moi depuis le premier colis que j'ai préparé. Elle était là. Elle m'a aidée à préparer. Tu veux nous refaire passer là? C'est un jour hyper important pour moi. Ça fait 7 mois que je le prépare, mais en réalité, ça fait 6 ans. Oh. 6 ans que je recherche un local, 6 ans que je galère à en trouver un, 6 ans qu'on me refuse des locaux. Et alhamdoulilah, Dieu il m'a facilité et j'espérais pas mieux que cette boutique. Et je vous remercierai jamais assez pour votre soutien et votre présence. Merci. Bravo! Bravo.
Comme d'hab, hein, les deux petites dindes. Alors, c'est comment? Oui, il est bon. J'ai bon. Je peux goûter ma puce? Moi, je prends ma poire. Ah, merci. Bah voilà. Ma poire, elle est là. Merci. Franchement, ce gilet là, il est trop beau. Je pense que je vais prendre celui-là. Ah, ça, si tu te calmes. Tu prends une, tu choisis une seule couleur. Regardez comment c'est beau. Regardez comment elle est trop belle. Alors, celle-ci là, super long. Ça va jusqu'à 1m80. Elle est magnifique. C'est la même que Riyab, elle a essayé. Elle est grande, c'est le. Ah, ouais. Regardez Adama. Adama, on a déjà un cadeau. Ah non. Diakano, encore elle vole quoi. Non, je me suis trompée. Mais ils sont ensemble les sachets. Mais vous avez pas trouvé mon téléphone? Non mais du coup, on a la photo. C'est un sac en fait pour mettre Je pense que c'est bien. Et vous voulez mettre chez toi. Et les filles, allez. Regardez le sac là, les filles elles voulaient mettre ça sur leur tête. Elle disait ouais c'est une capuche je pense. Mais en fait c'est une capuche. Mais c'est le fun. C'est un violet rose. Mais il est trop beau. C'était du noir. Ben, je t'en prie. Non, parce que de loin, c'est toi et gars avec son rose dans ma voiture. Bye bye. Mon foulard qui part. Mais tu sais que ça se voit pas, c'est dans ta tête, je crois. Ah ouais? Ouais. Des fois, ça nous fait ça alors que pas du tout. C'est bon. J'ai mes affaires et les affaires de Bella Lascar. Bye bye. Bye. On y va, on est prêts? On est prêts. Fais attention. Hein. Inch'Allah. Bon, je l'ai quand même oublié. Mais c'est pas grave, maman, elle va l'avoir là. En vrai. En plus, elle m'a donné des bagages alors que je n'ai même pas de bagages. Maman? Elle est venue, elle m'a mis ça devant la porte quand je partais. Oh, purée, j'en peux. Vas-y. Salam alaikum. Toi, t'as pas ça, bonjour à Kaïs, tout ça. Ouais, je t'ai dit. Oui, quand vous revenez, tu me dis. Oui, quand on arrive, là, je t'appelle. Vas-y, bisous. Ouais, ça m'aïkoum. Merci beaucoup. Bon voyage. Merci. Salam alaikum. Aïkoum salam. Bon, les filles, je viens de déposer. En fait, j'ai récupéré mon petit frère chez ma petite sœur. Et là, je l'ai déposé à la gare parce qu'en fait, on s'est rendu compte, genre là, il va être trop tard. De base, je devais rentrer à la maison, récupérer les enfants et le déposer chez ma grande sœur. Mais j'allais rentrer trop tard, sachant que les enfants ils ont école demain. Donc là il a pris les transports pour aller chez ma grande sœur. Je rentre à la maison là. Let's go. Je suis complètement explosée. Non les filles, j'ai passé une journée là. Waouh. Je suis KO. Je suis explosée. Franchement j'aime trop mon ensemble. Ça fait pas trop canon comme ça s'il vous plaît. Bref, du coup ben là les bébés, je pense pas qu'ils dorment encore. Je pense qu'ils m'ont attendu. Hey! Hey! Ça va? 6. Je suis explosée. Kaïs, t'arrives pas à faire 13 pompes? Mais 5! Mais je suis dans mon mood là! Dans ton mood de quoi? Je suis choquée! Pompé, j'en ai toujours! Mais tu fais qui tu fais? 6. Et 7. T'es pas sportive toi? Moi je suis pas sportive. Moi je fais parce que j'ai pas le choix. Non, c'est ma fille. Ouais, ça avait une demi. Pardon, c'est à cause de moi. Leur revue, on pourrait regarder sur la télé ensemble. Ouais, bah si on va pas au cinéma, ouais. Allez, au lit. Je vous aime. Bah, c'est parti. Ah, c'est ça. Bisous chérie.
Hey la team, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous le voyez, aujourd'hui direction le sport. Je suis explosée, genre je me suis réveillée, j'avais pas envie, je n'ai fait que repousser le réveil. Mais bon, motivée, on lâche pas. Aujourd'hui c'est avec ma coach Fitzka. Donc voilà, c'est parti, motivée, let's go. Non. Non mais je peux pas déjà. Bon les filles, je suis clairement au bout de ma vie, au bout du bout. J'en peux plus. Là, je suis allée m'acheter quelques trucs. J'ai vu une recette sur TikTok qui a l'air pas mal. Du coup, je vais la faire. On va voir ce que ça donne. Allez, let's go. Les filles, c'était trop bon. Sinon, je le dis tout le temps, hein, mais je vous jure qu'aujourd'hui, là, ma séance de sport, là, non, mais elle a pas blagué. Moi, j'étais au bout de ma vie. Bref, je finis de décrocher mon linge. Appelez-moi Conchita. Ah là là. Vraiment. Les gens qui disent qu'il y aura beaucoup de femmes en enfer, là. Wallahi, je comprends pas pourquoi. Tout ce qu'on fait, là. Tout ce qu'on fait pour nos enfants, pour notre famille, pour notre mari. Ah là 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 là. En tout cas, que Dieu nous facilite. La team, je suis allée récupérer les bébés. Du coup là les enfants ils vont finir leurs devoirs, moi je vais me poser, je vais travailler, après ils vont faire leur bain, il y a plein de restes dans le frigo, il y a des pâtes, il y a du riz, je vais faire avec parce que clairement j'ai la flemme et j'ai trop de travail là, faut que j'avance sur ma vidéo sinon je vais pas assumer. Bref, à tout. Là du coup j'avais carrément oublié, mais Sabrina me dit maman je vais mettre ma tenue de danse, j'avais oublié qu'elle avait la danse classique, j'ai tellement le seum. C'est que une heure. Encore si c'était deux heures. Genre si c'était deux heures, je vais, vas-y, j'ai le temps de faire plein de choses. Mais là, c'est que une heure. Genre une heure et après. Oh là là, ça me saoule déjà. Et après, je dois aller la récupérer là. Ça me saoule. T'as préparé les chaussons et tout? Oui. Oh là là, franchement. Après, je vais à la pointe des pieds. Non, pas besoin. Tout le temps, ça pointe des pieds. Allez, mets ta veste. J'ai envie de leur montrer la pointe des pieds. Non mais ça tu peux pas faire pointe des pieds avec des bottes en fait. Oui c'est vrai. Qu'est-ce dans le dressing, les grises, les trucs là, requin là, je sais pas quoi là. Requin carrément. Oh là là, je suis sûre il va pas trouver. Il va nous mettre en retard. Requin. Alors, vous allez me... Bon, dommage que les parents ne peuvent pas venir. Allez, allez, go, 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 go. Cœur rouge, trace de baiser, cœur rouge. Oh là là, on vient de rentrer de la danse là. Et maintenant, lui là, c'est quoi que je dois faire? Mais dis-moi juste! Semaine 1. Semaine 1?
Eux là? Oui. Mais tu les as déjà fait, non? Non, en fait, regarde. Un service. Ok. Travailler. Hey la team, je suis revenue, ça fait un moment. En fait, j'étais en train de finir un montage vidéo. J'ai récupéré ma Isabella, elle s'est douchée, Kaïs pareil. Je vais leur faire en rapide un petit truc à manger. J'ai même pas envie. Vu que Kunshita n'en finit jamais, hein, bah, j'avais encore fait tourner une lessive. Je vais l'accrocher. Là, les enfants, ils ont fini de manger. Ils sont en train de se brosser les dents, tout ça. Et après, je pourrais enfin me poser et bosser. Je ne sais pas si vous avez retenu, mais je fais toujours le jeûne intermittent. Donc, en fait, je ne mange pas le soir. À partir de 16h, je ne mange plus, mais déjà bien avant, en fait. Ah. Je suis vraiment fière de toi. Alors là, Chignou. T'as dit quoi? Je Chignou. Où il y a de la place. Hein. Et... Bisous. J'aime bien quand tu me ramènes des trucs comme ça, c'est très bien. Bravo ma puce. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allez. Assalamu alaikum, bonne nuit. Serait-ce une journée qui s'achève? Oui, parce que je vais me poser sur le canapé. Il est actuellement 20h30. Déjà j'ai le seum parce que vous savez très bien que j'aime bien quand ils sont au lit à 20h. Ou de base 19h30, mais bon, bref. Du coup, ben, je vous dis à demain, parce qu'en fait, là, je vais rien faire. Hein. Je vais bosser, je vais me faire un petit thé. Rien de bien fameux. Donc voilà, à demain. Hey la team, je suis explosée, du coup je suis partie de la maison. Là Prisca m'a dit, ma coach m'a dit qu'elle aurait un peu de retard. Donc là je vais commencer par le tapis comme d'hab. En fait je commence toujours par du tapis en pente pendant au moins 15 minutes. Donc je vais commencer par ça parce qu'elle a un peu de retard et tout avec ses coachings. Donc voilà, c'est parti, let's go. Elle m'a achevée. Tous les jours je dis ça, mais là c'était muscu aujourd'hui. Oh là là, je sens que demain je vais avoir mal. Bref, là je rentre, je me douche et après je mange. J'ai trop faim. J'ai faim de ouf. Allez, c'est parti. Bon, du coup les filles, j'ai fait ma douche, j'ai fait mes prières et là du coup, go préparer mon repas. Et en plus de ça, je fais aussi le repas des enfants de ce soir. Il me reste un peu de bolognaise, donc je vais leur faire des lasagnes. C'est parti, let's go. Est-ce que vous avez vu la dinguerie que j'ai fait là? Je vous ai mis la recette. C'est incroyable. Eh franchement, c'est frais, c'est trop bon. Genre moi, j'aime trop la patate douce. Et bah, je me dis, si celle qui n'aime pas, vous pouvez faire peut-être avec des pommes de terre. Trop bon!
Ça passe trop bien. Et je me dis la prochaine fois, pourquoi pas les frites de patates douces, patates douces, les mettre dans le air fryer, genre ça sera croustillant. Genre là, c'est pas croustillant, mais c'est trop bon. Bref, go manger ça parce que là, dans pas longtemps, je dois chercher les enfants. Et par contre, je suis trop contente. Bon, ça y est, les filles, j'ai fini de manger. Eh, c'était trop, trop bon. Je vous montre, de toute façon, je vous ai mis la recette pour celles qui veulent reproduire la go chercher les enfants. Et du coup, ben, Naïl, il arrive avant. Je suis trop contente, trop hâte de le retrouver. Caïs, je suis là. Ça va? C'était bien? Oh, tu m'as trouvé. Ça va, vous êtes content? Maman? Juste, est-ce que demain je peux aller à l'anniversaire de ma copine? J'ai retrouvé mon bébé, je suis allée récupérer les enfants. Eh les filles, je suis au bout de ma vie. Attendez. Et là, je suis juste au bout de ma vie. Franchement, je regrette de. Je regrette de l'avoir laissé partir en fait. Parce que déjà, quand il est parti, il était pas serein en fait. Et j'aurais dû me douter. J'aurais dû me douter tout simplement. Mais en gros, je fais que de pleurer depuis tout à l'heure. Genre, je vous jure, je suis trop mal. Genre, ça m'a brisé le cœur. En fait, quand je l'ai récupéré, moi j'étais toute contente. Et lui, je voyais dans son visage qu'il était pas bien, tu vois. Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as et tout? Qu'est-ce que t'as? J'ai essayé de creuser. Après, il a dit, non, en fait, c'est que vous m'avez trop manqué. Et il a commencé à pleurer. Et ça m'a brisé le cœur. Et après ça, ben. Je voyais quand même, je me suis dit non mais il n'y a pas que ça, c'est pas possible. Du coup quand on est rentré, je l'ai ramené dans la chambre, j'ai dit Naïl, dis-moi s'il te plaît. Et bref, il m'a confié des trucs, après c'est personnel, enfin je vais pas débattre dessus. Il me disait mais maman ça c'est pas très grave, hein, mais il s'est passé ça. Et ça m'a trop fait mal quand en fait je me suis dit que là pendant 5 jours en fait il était triste quoi. Parce que là encore à l'école quand des fois par exemple il y en a qui veulent pas jouer avec lui ou ci ou ça. Et bah il y a Isabella et Caïs. Sauf que là bah il y avait personne en fait. Donc pendant 5 jours en fait il était pas bien le petit quoi. Bref j'ai pas pleuré en caméra genre jamais je ferais ça. Mais c'est juste voilà enfin je voulais faire un petit message pour les mamans et tout. Même les papas hein. En fait, quand vous sentez que votre enfant, il est pas serein, qu'il a pas forcément envie. Parce que moi, il me disait, je lui ai dit, Naïl, t'es sûr, tu vas aller. Il me disait, oui. Je pense qu'au fond de lui, il s'est dit, vas-y, ça va bien se passer, mais bref. Mais ça. Donc voilà, quand vous sentez qu'il est pas forcément en confiance. Et franchement, moi, de base, en fait, quand j'ai vu Naïl, il a 6 ans, quoi. Il a 6 ans, il est au CP. Genre, pendant toute la semaine, je lui apprenais à laver ses fesses tout seul, se doucher, il le fait de temps en temps. Mais au final, j'aurais jamais dû le laisser partir. Franchement, je m'en veux, mais de malade. Parce que de base, moi, je voulais pas. Mais après, quand il disait, ouais, c'est ma maman qui veut pas, c'est ma maman. Et du coup, je me disais, non, mais je veux pas qu'il loupe quelque chose à cause de moi. Et après, quand la maîtresse m'a parlé, qu'elle m'a dit, mais c'est bien, en plus, vu qu'il est nouveau, il va créer des liens avec les autres. Pff, c'est ça, rien du tout. De toute façon, lundi, je vais aller voir la maîtresse. Et voilà, franchement, ça m'a brisé le cœur, je vous jure. Il me racontait. C'est même pas des trucs de ouf, enfin, vous imaginez votre enfant seul, genre ça m'a brisé le cœur, et en plus de ça, il pleurait et tout, oh, c'était horrible, et bref, et en fait j'ai fondu en larmes, alors que franchement je crois que j'ai jamais pleuré devant mes enfants, jamais je crois, et j'ai fondu en larmes devant eux, genre j'étais trop gênée, tu vois, même eux ils étaient choqués, mais pff, en fait moi, hein, mes enfants, mon mari, ma famille, enfin c'est toute ma vie, et en plus je... Allez, je vais me calmer, je suis pas quelqu'un qui pleure, et surtout pas sur les réseaux, c'est vraiment pas mon délire. Mais là, en fait, c'est vraiment, je veux vraiment prévenir les parents et tout, quand vous sentez que votre enfant, il est pas bien, ne le laissez pas, genre là, en fait, vous savez même pas la culpabilité que j'ai. Genre, je me dis, mais je l'ai laissé 5 jours, genre 5 jours, il était pas bien. Genre là, quand je l'ai récupéré, il était au plus mal, genre il était vraiment pas bien et tout. Et au final, il m'a dit, mais il me le disait en pleurant. Et Naïl, pour ceux qui le connaissent, c'est pas quelqu'un qui pleure. Genre, franchement, des fois, tu peux le taper, il peut se cogner, si ça, il pleure pas. Et là, il fondait en larmes, genre. Ça m'a brisé. Clairement, ça m'a brisé. J'ai essayé de me calmer. Là, je leur ai dit de jouer un peu dans leur chambre et tout. Ils retrouvent son frère et sa sœur. Déjà, eux, ils étaient trop contents. Franchement, ils étaient trop, trop choux. Ils étaient trop gentils avec lui. Bref, je vous laisse, parce que j'aime pas être dans un mood comme ça, même si... Comme je le dis tout le temps, je vous montre la vérité, c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler, mais j'aime pas être comme ça, surtout que, en plus, moi, quand je suis pas bien et que je parle du truc dont je suis pas bien, ben je pleure, en fait. Donc là, c'est pour ça que j'ai la gorge un peu nouée et tout, mais ça va aller, Inch'Allah. Bref, du coup, je vais profiter un peu de lui, on va faire quelques jeux avant de partir. Franchement,
J'avais des trucs à faire, des trucs à rendre. J'ai contacté les marques et je leur ai dit que je repoussais à la semaine prochaine parce que là, j'ai juste envie d'être là pour lui, en fait. Genre, je sens qu'il a besoin. Genre, quand je prenais dans mes bras, il me serrait fort et tout. Ah, ça m'a brisé. Bref, je vous dis à tout à l'heure, genre, j'ai trop le seum. Clé de ma voiture, clé de la maison. Donc là, j'ai essayé d'appeler mon mari, il connaît un serrurier et tout. J'ai essayé de l'appeler, mais il répond pas. Donc là, Simon, il m'a dit, tu sais quoi, c'est mieux que tu prennes un Uber. Parce que ben sinon je vais arriver en retard au resto, sachant qu'il y a ma mère, ma tante et tout, je peux pas les laisser en plan comme ça. Donc je suis obligée d'y aller. Alors que là j'ai grave pas envie, genre quand il a fait ça, je vous jure, j'avais les larmes qui me sont montées. Genre je me suis dit ça y est, c'est ma journée aujourd'hui ou quoi. C'est une dinguerie. Alors que là franchement ça allait mieux. Hein. Genre j'ai parlé avec Naïl et tout, ça allait grave mieux, mais oh, ça m'a saoulée. Bref, du coup ben on va au resto, j'espère qu'au moins on va passer un bon moment. Et j'espère que le serrurier va répondre parce que sinon je suis dans la merde de ouf. Bref, go. On y va. Mets bien ta veste, chérie. Maman. Oui, mon bébé. Aujourd'hui, j'ai pas fait de bêtises, donc là, c'est bien. Mais oui, c'est bien. Tu fais pas de bêtises, mon cœur. Pourquoi tu me dis ça, Naïl? Tu fais jamais de bêtises, chérie. Mais si, des fois, je fais des bêtises. Non, t'as pas fait de bêtises, viens, maman. Mais moi, j'ai fait des bêtises. Non, t'as pas fait de bêtises. Ah, c'est pas la femme de Caïs, il a pas fait exprès non plus, hein. C'est bon. C'est des choses qui arrivent. Hein. Allez, appuyez. Oh, j'y vais plus loin, c'est pas grave, Caïs, hein, je vais pas. C'est juste que sur le coup. Hein? Maintenant, comment on va faire? Ben, on va voir. Déjà, là, on sort, parce que je. Je sais que tu m'as manqué, maman. Mais moi aussi, tu m'as manqué, de ouf. Tu m'as trop manqué. En fait, les animateurs, c'était. Bye bye, les enfants. Allez. À très bientôt. Bye bye, ma plus belle. Hey. Et arrête d'embêter tes frères, hein. Et des bisous doucement, doucement. Allez Naïl, viens. Non, tu tapes, tape. Faut pas taper tes frères. Naïl, mets ta veste. Au revoir. Au revoir. Allez. Qu'est-ce que t'as? T'as toutes tes affaires? Bon, on est arrivé là. Mais du coup, faut qu'on le trouve à pied. Alors attends. C'est la prochaine à droite. Ouais. Et nous par là-bas. Ah, ça c'est mon chéri. Salut, ça va? Oui. Ça va? Ah là là, que des galères, nous aussi on a eu des galères. Ah ouais? Bon, espérons qu'il va réussir. Là, ils sont dans le gaz. Naïl, il en peut plus. Allez, Naïl. Naïl, viens. Viens, chérie. On arrive. Allez, go, 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 go. Allez, Naïl. Bon, ben. Le serrurier, il est venu. Impossible d'ouvrir la porte. D'un côté, ça me rassure parce que je me dis que s'il y a des cambrioleurs, ils vont galérer. Mais d'un autre côté, j'ai le seum parce que du coup, il a tout fait. Là, on est resté pendant au moins une heure et il n'arrive pas. Donc, il m'a dit que. En plus, il faisait grave du bruit. Il y a des voisins qui sont sortis et tout. Parce qu'en fait, il doit taper en même temps en essayant d'ouvrir. Et lui, c'est un bon. Genre, il m'a dit un serrurier que vous aurez appelé via les trucs de serrurier. Il vous aurait cassé la porte en fait, il m'a dit, alors que non en fait il n'y a pas besoin, sauf que ça fait du bruit et là il n'avait pas tout son matériel, donc il m'a dit il pourra que demain après-midi. En vrai ça me saoule de ouf, mais je me dis ce qui doit arriver arrive, hein. Si ça arrivait c'est pour une raison, peut-être que si demain on faisait une soirée avec mes cousines et sœurs, il y aurait eu des embrouilles, mais Isabella elle
Autant vous dire qu'elle est... T'es dégoûtée, hein. Je suis désolée. Mais je sais pas, je suis invitée à mon anniversaire, je peux pas y aller. Mais c'est pas grave, tu les inviteras à la maison pour un goûter, ok? Je te promets, tu pourras toutes les inviter, d'accord? Comme ça, ça te fera un peu de bien, même si t'es triste. En plus, il y avait des surprises que je les ai emmenées à Naïd. C'était des bonbons. Mais c'est pas grave. Donc, je peux vous acheter, moi, des bonbons. Tu iras la prochaine fois, ok, ma chérie? Elle est deck parce qu'elle avait l'anniversaire d'une de ses très très bonnes copines de l'école. Et bah du coup, elle pourra pas parce que j'ai même pas de voiture. Et c'est là où j'habite, quoi. Donc bon, là, ma soeur, elle habite loin de chez moi. Et voilà, Naïl, lui, il est chaos. Il est revenu, il s'est endormi par terre. Caïs, tu dors? Non. Et Caïs, il est grave deck. Caïs, c'est pas grave, hein. Non, mais... Oui, mais c'est pas grave. Elle est triste parce qu'elle va pas à son anniversaire, mais c'est pas grave. Bah oui, ça arrive, ça aurait pu lui arriver à elle aussi. Hein. On t'en veut pas. Tu sais, nous on est des croyants. Et on se dit que tout ce qui arrive, c'est des choses qui doivent arriver. Ok? C'est juste pour voir si on croit toujours en lui. Voilà. Et Dieu, il fait quoi? Tu sais qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il éprouve les gens qu'il aime. Tu sais ça? Ça veut dire qu'il éprouve les gens qu'il aime. Genre, justement, c'est pour prouver ta foi que tu l'aimes, ok? Voilà. Dans tous les cas, ben, cette vidéo, elle touche à sa fin. Pas dans les meilleures conditions, mais real life, comme je dis tout le temps. Genre, sans filtre, quoi. Enfin, c'est la vérité, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Et comme j'ai dit aux enfants, c'est des épreuves de la vie. Et encore, il y a des épreuves pires que ça. C'est juste que, voilà, ça fait chier. Mais bon, on va s'en remettre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. C'est très, très important. Et moi, du coup, on attend ma soeur. Oh là 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 là, quelle galère. Bref, bisous, bye bye.